jour manifestation est spectaculaire encore à hier après-midi groupe fantôme 500 les fions dans Port-au-Prince côté gagné plaisir machine l'état qui boulait gagné bureau FAES dans Delma 75 qui saccagé et tout plaisir machine qui boulait dans la cour l'école dans la cour et bureau FAES là. Faut que nous disions, professeur avec élève, l'école publique continue à manifester tout partout dans le pays d'Haïti, principalement dans Port-au-Prince, côté y a exigé meilleures conditions de travail avec tout élève, meilleures conditions d'apprentissage dans la salle classe. Premier ministre Joseph Jout visité hier plusieurs chantiers qui sont chantiers construction lycée et des jeunes filles, lycée Marie-Jeanne. Avec chantier côté à construire caille pour policiers pour qui état avancement travail. Donc dans la même occasion ça premier ministre annoncé et mais il pas pour faire confrontation avec policiers ni pour arrêter policiers mais plutôt la prioriser dialogue pour résoudre problème policiers gain puisque ils comprennent problème yo. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, invitez vous continuer à brancher, continuer à abonner au canal d'information sans force côté à de manière à ce que nous capables continuer à porter bon gens information frais, clair coup de le coq pour ou même qui abonné déjà nous remercier ou même qui beaucoup abonné, invitez vous abonner de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publiée la privée joignez-nous de façon automatique. Jean nous annoncé au lit nouvelle manifestation spectaculaire ailleurs dans Port-au-Prince groupe policier fantôme 509 côté yo manifesté et sorti dans ville Port-au-Prince yo parcouru plusieurs côtés dans ville là monté Pétionville descend Delma et puis et passer dans zone canapé vert et descend sous champ de mars donc c'était une véritable et courir monter courir descendre hier après-midi côté toute ville Port-au-Prince là t'est bloqué dans moment groupe fantôme 509 yo même yo tap manifesté donc faut que nous disons eh bien et yo t'est armé avec gros armes manches longues dans main yo et cagoule dans tête yo était habillé tout avec uniforme plusieurs unité dans police nationale d'Haïti à côté yo simé gros panique dans toute ville la sorti j'en nous dit Port-au-Prince et pour arriver Pétionville Delma 75 descend sous champ de masse donc c'est gros coup de zame automatique qui t'a chanté et plaisir machine les taboulé local FAES la li même dans Delma 75 li saccagé et côté yo boulé plaisir machine et puis craser vite plusieurs machines dans local et devant local FAES dans Delma 75 donc tout mouvement et ben fantôme 509 là lui-même l'a fait yo gagné un seul objectif d'après moun qui parlait dans non fantôme yo qui était habillé en policier en uniforme police et puis à cagoule dans tête yo et ben c'est rivé forcer autorité yo pour libérer les policiers BLTS là Jean-Pascal Alexandre et yo même qui fermait l'état autorité yo était arrêté et puis qui fermait dans pénitencier national depuis plusieurs mois la boue prison sans pas faire rien d'après ça collègue li yo fait qu'on est et yo pas jamais passé pour aller ouais juge naturel li. Donc population elle-même qui mêlé dans jouette là tout qui accompagné fantôme 509 là chaque fois elle prend la rue de façon improvisée donc il pas annoncé elle prend la rue encore et bien population yo même tout yo est rentré dans jouette là côté yo même tout yo tout profiter fait revendication pas au passé n'a invité au côté plusieurs policiers qui t'a parlé avec plusieurs militants politiques yo même qui était dans manifestation hier après-midi. Nous dans la rue à Piret jusqu'à ce qu'on libère Pascal. Nous dans la rue à Piret. Tout est passé par libérer. Nous dans la rue à Piret. Nous va gagner pour notre. Libère Pascal. Allez les jeunes. Libère Pascal. Allez les jeunes. Libère Pascal. Allez les jeunes. Libère Pascal.
pas bouillé l'État, la montagne boule. Libérez Pascal, arrêtez Jovenel. Libérez Pascal, arrêtez Jovenel. Libérez Pascal, arrêtez Jovenel. Libérez Pascal, arrêtez Jovenel. Libérez Pascal. Et je dis encore, photo 6 n'a pas dans la rue, je dis à n'est pas entré, juste n'est pas entré, il y a de faux reprises, il y a de mettre un maillot dehors parce que plus tard on va être dans la rue, là, qui donc, population qui a fait deux de photo 6 n'a pas là, là nous c'est policiers c'est nous. Donc je dis encore, maintenant qu'on finit, policiers pas entré, ils ont pas entré, mais ils ont fait avec ça. Donc pour que taille, tu as la caillou, après c'est la prestation. Parce que tout le journal Moïse pas que le pays a, ça va pas contre la rue. Je dis à peuple accompagné les policiers, je dis à vous, je ne sais pas, Jovenel Moïse, je ne sais pas Max Moïse, je ne sais pas tout voler qui est de personne. Premier ministre Joseph Jout, lui-même Soubopal, qui était dans la rue hier et a visité plusieurs chantiers, eh bien, il déclaré qu'il passe pour faire confrontation avec policiers fantôme 509 pour l'arrêter. Donc, il dit pour que le problème résoudre, c'est dialogue, c'est bon genre dialogue. Donc, c'est pour ça qu'il a priorisé dialogue pour que lui résoudre problème policier qui ont même revendication policier il dit qui gisse. Donc premier ministre dit lui comprendre policier et lui quoi et chemin dialogue là a pi bon pour résoudre problème si là yo et que lui toujours premier ministre toujours et va ba tête lui et comme you moun qui proche policier qui remet policier. Donc d'après ça il dit c'est papa policier lui a priorisé dialogue. Nous invitons au côté premier ministre Joseph Jout. Même médium utilisé on a utilisé et policiers, il y a petit attendez parce que ça ici c'est même gens avec. Je seulement besoin de parler avec. Quoi me souvle. Mais nous parler avec les photos 509 malgré ça. Nous pas mais justement communication bon sauvez. Nous pas prendre zam pour n'alguma avec ou non. N'a parler avec eux parce que vous gagnez des revendications, gagnez qui juste, gagnez qui pas juste. Gagnez tout qui ca satisfait qu'on y a mais gagnez pas ca satisfait qu'on y a. Faut chita avec eux pour nous expliquer ça. Nous seulement tout annoncer ça pendant vos deuxième question des bons monde on va faire mon injustice dans pays on va faire policier surtout injustice moi même m'a campé contre ça aussi simple que ça ça veut dire pas première fois ou pas content depuis on voulait content pas faire policier injustice indépendance pouvoir judiciaire là non pouvoir judiciaire là c'est lui pour gérer l'indépendance c'est pas moi même merci. Professeur avec élèves yo pas suspendre manifester élève l'école publique professeur l'école publique yo pas suspendre manifester tout partout dans pays d'Haïti et surtout dans grande ville yo et pour yo exiger d'abord et professeur yo pour yo exiger et pour yo joindre meilleures conditions de travail pour 75 000 gourdes comme et salaire minimum pour l'état payer yo à tout pour que yo bayo ticket débit et 25 000 gourdes et les vieux même sous bon payo y a revendiqué pour que yo mandé pour gagner professeur qui vient travailler dans salle classio pour yo capable et bien préparer avenir préparer examen yo donc faut nous dire et bien gagner. Et professeur dit et yo pas capable continuer avec salaire misé ça les misé 13 000 goud l'état bayo qui pas ka faire rien pour yo avec chete la vie. Donc yo dénoncé tout professeur yo dénoncé tout comportement ministre éducation nationale là professeur Pierre Josué Agenor Cadet et ben yo dit qui a fait et persécution politique et sous professeur et qui syndiqué yo donc professeur syndiqué yo même yo fait yo dit yo fait carré bataille puisque fok l'école là fok système l'école système éducation mi wo mi basa mais que yo dit il y a bataille pour yo changer. Donc nous invité au côté syndicaliste Magali Georges qui c'est coordonnateur CNDH avec plusieurs autres collègues qui étaient dans cadre une conférence de presse. Là on parle de professeur a touché pour nous parler de qui ça a touché. C'est 13 000 pour nous professeur et premier deuxième cycle. Ça a touché plus à 15 000 gouttes. Cher séquence, c'est 11 000 gouttes. C'est pour 13 000 gouttes à 11 000 gouttes là, nous disons, nous pas décider de continuer le travail. Parce que 13 000 gouttes là, bah, moins que 500 gouttes par jour. Donc si on ne peut pas comprendre ça,
et il va dire que c'est 500 gouttes par jour. Si vous avez 500 gouttes n'importe où là, quand vous avez parlé là, dites-moi qui sont à faire avec la caille. Dites-moi comment vous avez une machine, comment vous avez une machine pour petit ou à l'école, comment vous avez un professeur dans la salle de classe, il va payer l'école pour petit, et bien ça n'a pas parlé là. C'est seul nous-mêmes qui avons touché l'argent l'État. Qui ne va faire rien, qui va mettre sous nous. Mais nous-mêmes nous décidons, nous faisons travailler nous bien, pour nous payer nous. Nous disons 13 000 gouttes là. Insupportable. Donc, nous mettons de tous les mots 13 000 gouttes là, bien insupportable, alors que le ministre a 5 000 dollars américains par mois pour payer une deuxième résidence. C'est de ça qu'on a parlé là. Pour nous, c'est nous-mêmes méchants. 700 000 gouttes, chaque 3 mois son carte de débit, 4 téléphones et tout le bagage. Donc, pour nous, ça, c'est nous méchants. Le ministre dit nous tout. Il dit nous bien toucher dans l'école privée. C'est un honte que lui. Comment on fait pour le ministère de l'Éducation nationale accepter professeur à toucher moins que 13 000 gouttes dans n'importe quel espace? Pour qui ça? Pour qui ça lui, même le directeur lycée Fritz, il ne continue à faire pour lui, il ne continue à faire pour mes agriculteurs. Même le ministère de l'Éducation nationale, il continue à faire pour mes agriculteurs. Il va faire pour le lycée. Même pour mes agriculteurs. Pendant qu'on comprend ça, pour quelle raison qu'on y a c'est là, qu'on y a victime, c'est au tout le monde. Pour nous, c'est victimes. Nous-mêmes, nous disons oui, nous sommes des professionnels, nous prêts pour nous combler le programme, pour nous faire un programme avec Timon. Pas pour nous combler à l'école. Parce que comme à l'école, on a dit, craser comme qui n'a pas budget, ça là, pour commencer à craser l'autre comme qui n'a pas budget. Nous-mêmes, nous prêts pour nous continuer à faire travail, nous, là, nous négocier pour Timon, combler et vite que de gagner, pour avoir une notion de supposé, ouais, si on va finir l'année, ça y a quoi l'autre année. Bon, nous constatons que premier ministre paysan qui qu'on a dit dans la radio bien fort que les papa petit tout décider servir avec crise qui gagne dans l'éducation pour le faire démagogie les abral marcher dans lycée pour le faire macaque. Nous même nous pas besoin de premier ministre macaque, nous pas besoin de singe dans pays, nous besoin de monde qui a un caractère et qui décide pour assumer de responsabilité que l'État va pour assumer. Je ne veux dire à premier ministre qui a un cahier de charge dans le qui gagne là-dedans 4 axes. Premier axe, c'est demander premier ministre pour nous négocier sous condition en séance. Deuxième axe, c'est demander premier ministre pour nous négocier sur accès à une éducation publique de qualité. Qui gagne là-dedans seulement l'école classique, mais qui gagne là-dedans tout l'école technique et professionnelle. Pour nous mettre un baccalauréat technique sous pied. Pour jeunes capables de gagner orientation, pour l'État avec bourgeois dans le pays à suspendre, utiliser pour mettre des armes dans le pays, mais pour mettre métier dans le pays, pour que l'on besoin technicien pour résoudre le problème dans le pays, nous ne sommes pas obligés dans la République dominicaine. Donc c'est pour le premier ministre Chita pour résoudre ça. Dans le cahier de charge, nous tout, nous demandons au premier ministre pour négocier sur qualité d'éducation. Je ne veux dire à demander au premier ministre qui s'appelle le petit monde comme matériel, il n'est pas conscient de ça. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale homologué ça va rentrer dans la salle de classe? Le premier ministre n'est pas conscient de ça. Je ne veux dire qu'il n'y a pas besoin de visite pour nous faire défiler dans l'école. Nous pas dans mannequinat. Nous pas dans l'école des femmes. Nous demandons aux autorités pour nous chita, pour nous résoudre le problème de l'éducation, pour nous investir dans l'éducation. Il n'est pas normal pour nous jouer un budget à 18%. Alors que l'État engagé pour mettre le budget à 30%, nous descendons à 9% et je ne veux dire qu'on a vu faire macaque dans le marché, dans l'école, comme si on a vu faire défiler. Donc nous-mêmes, c'est du enseignants, nous pensons à chaque fois que l'autorité prend notre comportement ça, pour y passer mon dans bêtise, et bien nous-mêmes, nous disons que c'est lui qui a pété sous mobilisation et nous avons continué à lancer appel à toute société. Parce que la bataille, ça n'a pas mené, c'est pour une bataille sectaire, c'est un combat social lié. Et nous pensons combat ça pour que chaque citoyen dans le pays engage là-dedans pour nous arriver à faire n'importe qui arrive dans la tête de l'État, assumer les responsabilités, ça l'État gagne comme ressource pour mettre au service de la population pour nous garantir bien la population. C'est dénoncer les actes d'intimidation et la répression syndicale qui a fait sur un pile dirigeant syndicaux. Et troisième point, lancer deux journées de manifestation. Une demain jeudi 17 là à lundi 21 septembre.
plateforme syndicat enseignant a rappelé population depuis jour qui était 10 d'août, yo t'ai lancé mobilisation après que yo t'ai fait notifier et déposer cahier de charge dans pied mouché l'état et que mouché l'état pas jamais fait cas de revendication ça yo. Plateforme syndicat enseignant yo t'ai obligé piler béton. Depuis 10 août ça nous sont intimidation toutes sortes. Mais ça n'a pas empêché que mobilisation intensifie sur tous 10 départements scolaires et nous tous, la presse, parler et télévisé, la nation et l'international, nous ouais enseignants, parents, élèves à travers tous les départements scolaires en d'un pays, yo investi la ria, soit pour yo accompagner enseignants dans la bataille là et élèves même y a demandé présence professeur dans sa classe. L'autre information c'est journée jeudi à enterrement maître Montferrier Dorval chanté dans strict intimité famille ak zanmil dans parc du souvenir dans route frais. Donc matin bien bonheur et bien enterrement ça lui-même l'été chanté donc parents défunts yo même dénoncé et bien dénoncé et récupération politique yo dit gagné et plusieurs secteurs qui t'a envie fait avec cadavre bâtonnier et bâtonnier Dorval donc barreau avocat Port-au-Prince lui-même sous Bopal l'a organisé après-midi jeudi à cérémonie hommage dans l'hôtel Montana pour rendre un dernier hommage à défunt bâtonnier maître Montferrier Dorval. Donc c'est l'autre activité qui était prévue eh bien pour mettre Dorval et demain et ça disons demain vendredi à côté cérémonie officielle la tape fête et eh bien au cérémonie ça li a fait fête demain et vendredi à nan et l'église Saint-Pierre dans Pétionville côté et bien et Barreau Port-au-Prince a fait chanter yon funérail symbolique pour mettre Montferrier Dorval. L'autre information, président Jovenel Moïse, après président Jovenel Moïse te fin annoncé, eh bien, il est presque fin mette campé, joindre tout membre pour le mette conseil électoral provisoire campé. Eh bien, c'est tout pas ministre Joseph, premier ministre Joseph Jout qui annoncé ailleurs. Et conseil électoral provisoire presque fin campé, il était seulement pour yo mettre d'ailleurs un décret qui dit conseil électoral provisoire li campé puisque et bien il dit tout membre KEPA déjà fin complet, yo déjà représenté divers secteurs déjà représenté dans cadre et pour former conseil électoral provisoire si là. L'autre information faut que nous dire premier ministre Joseph Jout et annoncé et bien gouvernement libéral et annulé là un bon contrat qui était fait de façon irrégulière de la loi d'après ça le dit et qui pas tenu compte de loi sous fonction publique là côté il dit c'est sous premier ministre ancien premier ministre Jean-Michel Lapin moun sa yo te nommé donc gouvernement pral casser nomination sa yo pral révoquer nomination sa yo pral annulé d'après ça premier ministre Joseph Jout lui-même l'y annoncé donc pour qu'on y a plusieurs disons moun en pile moun qui était nommé et sous administration premier ministre Jean-Michel Lapin moun sa yo la yo gen gros caisse sauté puisque d'après ça premier ministre Joseph Jout annoncé yo pral révoquer annuler et toute disons en pile nan nomination sa yo qui était faite derrière dos la loi. L'autre information, premier ministre Joseph Jout visité hier chantier construction lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles qui gentinon lycée 159. Donc il était visité tout chantier et travail côté on va construire logement social, construire caille pour policiers dans Delma
33. Donc c'est une façon pour le et dans qui point travail a avancé d'après ça le fait qu'on est ailleurs sous chantier yo. Donc premier ministre Joseph Jout te gen akli, ministre éducation nationale là, professeur Pierre Josué Agenor Cadet avec ministre affaires sociales. L'autre information, il y a plusieurs organisations politiques et eux-mêmes qui continuent à mettre pression sur Banque nationale République d'Haïti à BRH, mais pour ouais qui gens sont capables de continuer à baisser dollars dans le pays d'Haïti. Donc dans ce sens ça a été organisé un sitting hier, un piquet devant local BRH là dans rue Pavé pour demander autorité la Banque centrale continuer baisser dollar américain pour yo et faire tourner arriver 40 gouttes Jean Letellier avant. Donc yo mandé tout et bien pour que produits première nécessité yo capable baisser sous marché local là bien même Jean dollar lui-même li continuer à baisser. Faut que nous disons dollar américain t'est changé pour une aujourd'hui dans certaines banques et dans capital là entre disons 81 gouttes pour arriver 83 gouttes selon banque là dans capital Port-au-Prince.